Évoquer sa vie intime n'est pas nécessairement un exercice qu'il affectionne. Pudique, Alexandre Brasseur sort toutefois un livre autobiographique, intitulé Addition, paru le 5 mai 2022 aux éditions Plon. S'il évoque les liens du sang dans ses 216 pages, le comédien, héros de la série Demain nous appartient, évite soigneusement de parler des liens du cœur. On sait pourtant qu'il est heureux, en couple et épanoui avec Isabelle Regour, agent d'image, presse et booking et notamment ancienne compagne de Stéphane Hénon. Je ne livre que quelques bribes de ma vie privée. Il a lui-même officialisé cette relation sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Pour autant, Alexandre Brasseur ne souhaite pas s'étendre plus que ça sur le sujet, notamment à cause de mauvaises expériences. Il y a quelques années, j'ai évoqué ma vie privée dans les médias. Mes propos ont été ensuite repris, déformés et décontextualisés sur Internet et dans la presse, se souvient-il dans les colonnes du magazine Voici. Cela ne m'a pas aidé et j'ai regretté. Donc dorénavant, je ne livre que quelques bribes de ma vie privée. Aujourd'hui nous sommes ici, demain peut-être ailleurs mais toujours ensemble, majoritairement présents dans le sud de la France, pour les tournages intensifs de la série Demain nous appartient, diffusée du lundi au vendredi sur TF1, qui ont lieu aux alentours de 7. Alexandre Brasseur songe sérieusement à s'installer pour de bon, un peu plus loin, à Marseille ou à Toulouse. Avec ou sans son Isabelle ? L'amour est baladeur, aujourd'hui nous sommes ici, demain peut-être ailleurs mais toujours ensemble, assure-t-il timidement. Avant de rencontrer sa compagne, l'acteur et fils de Claude Brasseur avait été marié à Juliette Brasseur et avait eu, avec elle, 2 enfants, Louis et Jeanne. Aucun des deux n'a, toutefois, l'intention de prendre la relève, côté cinéma, du grand clan Brasseur. Retrouvez l'interview intégrale d'Alexandre Brasseur dans le magazine Voici, N degré 1803, du 24 juin 2022.